Bonjour, c'est le petit magicien. Je fais vite cette vidéo pour vous montrer cette nouvelle petite valise close-up. Elle est très 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 bien. Donc elle est toute petite, elle est compacte. Elle est super par rapport à l'autre grande. Celle-là est vachement plus solide. Et elle est très pratique parce que soit elle est trop grande, soit elles sont trop petites. Celle-là, elle a la taille idéale. Donc ça, c'est mon goût. Je vous ai vite mis ce que j'ai mis moi dans la mienne. Donc, quelques jeux de cartes, si on les rentre dans ce sens-là, vous en avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, moi, j'ai rajouté, comme je fais dans tous mes jeux de cartes, je mets les étuis transparents. L'avantage, c'est qu'on peut voir au travers le jeu de cartes. Ça fait plus léger et c'est bon pour moi, c'est 100 fois mieux que ceux qui sont en fer et tout ça. Et vous avez vu tout ce que je peux mettre. Je peux mettre des jeux de cartes, je peux mettre ma Kennedy Box, je peux mettre ma Lock Box. Ça c'est bon, c'est Nesting Wallet. Je peux mettre mes ciseaux ici, je peux mettre tout ce que je veux, je peux mettre le minimum pour faire un close-up. Elle se ferme bien, donc comme d'habitude il y a quand même la clé qui est vendue avec, mais souvent les clés ça marche pas bien, donc ça vous la jetez à la poubelle. Et quand vous la recevez, elle est comme ça. Donc valise sympa. À l'intérieur, vous allez avoir la sangle pour mettre autour, deux scratchs ici. Si vous voulez mettre quelque chose de gros et mettre un scratch comme ça, vous pouvez. D'accord, voilà. Bon, ça, je m'en sers jamais moi, sauf quand je mets beaucoup de cordes, je l'attache autour, autrement ça reste au fond. Les fameuses clés, je vous dis, ça sert à rien. Et vous avez même une séparation ici que vous pouvez enlever, d'accord, remettre à droite, à gauche. Donc il y a du scratch des deux côtés, sur toute la longueur ici et de l'autre côté. Comme ça, vous pouvez scratcher où vous voulez si vous voulez faire des compartiments. Voilà. Donc je mettrai la taille exacte sur le site, mais vraiment. Pour du close-up, pour aller partout, déjà c'est ça fait pro, ça fait plus joli, d'accord. Et pour moi, elle top, taille idéale. Voilà, maintenant, à vous de choisir.